Départ pour Florence. C'est pas que j'ai pas dormi la nuit dernière, mais. On va d'abord à Paris. Après, on va se débrouiller. Bon, il y a une voiture pour nous. Il y a une voiture pour nous, mais on est tout au fond. On a toute la voiture, t'as. Ouais, on a toute la voiture. On est parti très calmement depuis Brest. Voilà, tout va bien, c'est très calme. Tout le monde a bien dormi? Lol. J'aime cette blague. On est dans le train entre Milan et Florence. On devrait arriver bientôt. Tout le monde qui dort. Je filme, j'essaie de faire des trucs et eux ils m'attendent jamais. C'est très 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 agréable. En tant que bon touriste, qu'est-ce qu'on fait bien sûr? On fait les courses. Ah, piscine dans l'hôtel aussi, hein. On ne s'arrête jamais. Là je sors du sauna, j'ai eu chaud, j'ai sué, là j'ai pas pris de douche. Ah, vous imaginez un peu. Ah Florence, tu payes tout, tu payes tes couverts, tu payes le verre d'eau, tu payes la table, tu payes tout, c'est affreux. Sérieux? Mais putain l'adresse, mais si t'aimes ça, c'est mieux. Moi aussi, j'en connais. Il aime pas l'eau pétillante. Moi ça me va bien. Du côté 3, on lui a dit spécifiquement, pas pétillant. Le mec qui te porte de l'eau pétillante. Tu pleures? Non. Intérieurement, il est mort. Grave, Joe, je vais soigner. D'ailleurs, moi, il est Joe, l'homme qui pouvait pêcher des planches, mais qui ne supportait pas l'eau pétillante. Mais bois du champagne, c'est pas pétillant. Allez, goûte. Ce moment quand t'es étudiant et qu'il faut régler la note à plusieurs. Ça balance, je trouve. C'est pas ton. Il est content, Joe. Ouais. J'ai pas payé de service, ce truc de table. On a pas payé de service pour le coup. Et c'est pas pétillant. Traumatisme. C'est ça.